J'ai entendu parler de la fermeture de Guantanamo dès mon arrivée sur place. J'y étais envoyé début 2003. Et depuis, j'entends dire qu'ils vont fermer Guantanamo. Secret défense, on nous accuse de quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi on est enfermé. La base cubaine de Guantanamo aurait dû fermer il y a 2 mois. C'est ce qu'avait promis le président américain Barack Obama. Mais la prison la plus controversée au monde, située en plein paradis tropical, est toujours en fonctionnement. Près de 200 prisonniers y sont enfermés et personne ne sait ce qu'ils vont devenir. Le centre de détention de Guantanamo a ouvert 4 mois après le 11 septembre. Il a ouvert le 11 janvier 2002. On était si proche de l'événement, du désastre, que les Américains, qu'ils soient à la Maison-Blanche ou ailleurs, subissaient encore le traumatisme de l'attaque qui venait de se produire. Résultat, quand on a dit aux Américains que les éléments les plus dangereux étaient envoyés à Guantanamo, on l'a tous cru. Voilà le contexte dans lequel la base a été ouverte. Quand le commandement militaire en Afghanistan nous a dit « on arrête des types, on ne peut pas les détenir en toute sécurité ici en Afghanistan, on redoute qu'ils soient tués par des tirs de mortier, donc on a le devoir de les mettre en sécurité ». On a pris conscience que, premièrement, nous devons assurer leur sécurité en détention. Deuxièmement, parce que cette guerre, plus que les précédentes, repose sur le recueil de renseignements. Nous avons besoin d'un lieu où nous pouvons interroger ces gens dans cette optique, sur le long terme, en nouant une relation avec eux et en les interrogeant dans le cadre de la loi. La situation géographique de Guantanamo a de quoi désorienter. Nous devons nous y rendre en avion, puis en bateau. Des militaires nous accompagnent sans arrêt. Il nous est interdit de discuter avec les détenus. Nous ne pouvons pas non plus nous adresser aux membres de la Croix-Rouge qui, eux, sont en contact avec les prisonniers. Après chaque journée de tournage, toutes nos images sont contrôlées plan par plan. Beaucoup sont effacés. Interdiction de filmer les visages des détenus, les postes de contrôle ou encore des vues générales de la baie de Guantanamo. Les soldats nous emmènent en voiture dans certains secteurs de la base. Nous prenons la direction du camp X-Ray, le premier qui a été ouvert ici. Aujourd'hui, tout est à l'abandon. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin. On nous dit que le lieu est infesté d'iguanes, de serpents et de rats. Dans les mois qui ont suivi le 11 septembre, les premiers prisonniers ont été placés ici, dans de petites cages avec un toit en aluminium, sous un soleil tropical. Le camp X-Ray, c'est celui que nous avons tous vu à la télévision. C'est là qu'étaient retenus ces prisonniers en combinaison orange, suspectés de liens avec Al-Qaïda. Dans cette construction très basique, il n'y avait ni eau courante, ni cellules en dur. Le camp n'a fonctionné que 4 mois. Comment expliquer que ces détenus se soient retrouvés ici, à Cuba ? Guantanamo est une base militaire américaine en territoire cubain. Les États-Unis détiennent un bail permanent sur la baie depuis plus de 100 ans et la fin de la guerre qui les a opposés à l'Espagne. Le gouvernement américain continue de verser un loyer à Cuba, 4 000 $ par an. Et comme la base n'est pas en terre américaine, la loi américaine ne s'applique pas. C'est une zone de non-droit. Si aujourd'hui on transférait ces détenus aux États-Unis, ils revendiqueraient leurs droits constitutionnels. Je pense qu'il n'y avait aucune envie, que ce soit chez les démocrates ou les républicains, de faire venir ces terroristes et de les garder bien au chaud aux États-Unis. On ne savait pas quand la prochaine attaque pouvait se produire. Les premiers individus capturés en Afghanistan en 2002 ont été qualifiés de combattants ennemis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En tant que prisonniers de guerre, ils ont été placés en détention sans avoir été formellement inculpés.
Ils ont été soumis à des interrogatoires poussés. La première fois que je suis venu ici, j'étais impressionné. Ce n'était pas ce que la télévision montrait, ce n'était pas comme le dénonçaient certains. Un détenu m'a même dit que pour lui, certaines personnes racontaient des mensonges, relayaient de fausses affirmations sur la scène publique mondiale, en soutenant que certaines choses se passaient ici. En réalité, la situation était bien meilleure que ce que j'avais en tête. Aujourd'hui, Guantanamo est une structure immense et compliquée. 183 personnes y sont encore détenues, notamment dans le camp 5, un établissement de haute sécurité. Ici sont retenus à la fois les individus dociles et ceux qui ne le sont pas. Pour cette dernière catégorie, interdiction de quitter la combinaison orange. Ici, c'est la salle de télévision et seuls les détenus accommodants peuvent l'utiliser. Ils ont à leur disposition trois sortes de revues, une quinzaine de DVD différents chaque semaine pour qu'ils puissent choisir. Il y a aussi le satellite, on peut voir six chaînes de télé du Moyen-Orient. Pour la plupart, ce sont des programmes de sport et d'infos. Il y a des pièces par ici, où il y a un poste de télévision, un réfrigérateur, un canapé. Il y a un anneau au sol pour accrocher le lien que le détenu porte à la cheville. Certaines de ces pièces sont aussi utilisées comme salle télé. Le prisonnier peut donc être interrogé dans cette pièce, dans un but de renseignement, puis être autorisé à y revenir seul pour regarder un DVD. L'une des missions principales de Guantanamo, c'est le recueil de renseignements, des informations obtenues lors d'interrogatoires largement décriés. De lourdes allégations pèsent sur les méthodes employées lors des premières années de fonctionnement de la base. Des allégations? On affirme que, un détenu a été soumis à des pratiques diverses, bien que celle-ci n'ait pas atteint un niveau que l'on pourrait qualifier de torture, elles ne respectaient pas les règles. Au final, elles ont fait l'objet d'investigations de la part de deux officiers qui ont publié un rapport très approfondi sur les aspects négatifs de ces pratiques. Il y a eu des réprimandes et il a été conclu que les effets cumulés de ce traitement pouvaient être considérés comme dégradants, humiliants et dégradants. Au cours des 8 dernières années, près de 800 détenus se sont retrouvés derrière les barreaux de Guantanamo. Ils sont 600 à avoir été libérés depuis. Certains racontent ce qu'ils ont vécu et évoquent des violences et des mauvais traitements. Un gardien a enfoncé ses doigts dans mes yeux. Et comme je n'hurlais pas, il a pensé qu'il n'appuyait pas assez fort. Alors il a continué d'enfoncer ses doigts dans mes yeux. Et à côté, un officier a dit « Continue !» Il lui criait après parce que je n'hurlais toujours pas. Il pensait qu'il n'appuyait pas assez. Et puis le gardien lui-même s'est mis à crier « Mais si, j'appuie !» Omar Drayes, d'origine libyenne, a grandi en Grande-Bretagne. Après ses études, il est parti en Afghanistan et au Pakistan. Un itinéraire suspect aux yeux des militaires américains. Arrêté au Pakistan, il est envoyé à Guantanamo. Après 6 ans de détention, il retrouve la liberté. Il n'y a pas d'éléments retenus contre lui. L'homme vit aujourd'hui au Royaume-Uni, où il travaille pour Reprieve, une association de défense des droits de l'homme. Parfois, les médecins nous disent qu'ils vont regarder notre enregistrement et que si on a besoin d'aide, il faut demander à celui qui nous interroge. C'est quelque chose qu'ils ont toujours fait. C'est pourquoi on veut poursuivre en justice de nombreux médecins. Je connais la vérité sur ce qui se passe ici. Et la vérité, c'est que ces prisonniers sont traités de manière très humaine.
Ils n'ont jamais été soumis à aucun abus. Je suis obligé de dire la vérité, car ce serait contraire à la loi de ne pas le faire. Les détenus n'ont, eux, pas l'obligation de dire la vérité. En réalité, ils sont endoctrinés, entraînés. Le document trouvé à Manchester chez un membre présumé d'Al-Qaïda, ainsi que d'autres textes, leur demandent de mentir sur leurs conditions de détention. Voilà pourquoi cette histoire de torture est si largement diffusée. Ils sont entraînés pour cela. Pourtant, en 2002, les avocats de l'administration Bush ont évoqué dans des documents écrits ce qu'ils ont appelé les techniques renforcées d'interrogatoire, des pratiques dénoncées par les associations. L'une des plus connues, c'est la simulation de noyade. Elle est ici reproduite par des manifestants devant la Maison-Blanche. Toutes ces techniques ont été depuis condamnées par Barack Obama. Les auteurs de ce qui a été considéré comme des documents de torture ont été poursuivis pour faute avant d'être finalement innocentés il y a quelques semaines. Le département de la justice a estimé que ces pratiques ont été décrites dans un cadre légal. C'est ce qui ressort d'un rapport du département de la justice publié il y a 2 semaines sur ces avocats qui ont écrit les mémos sur la torture. Ils légitiment le régime de torture que les États-Unis ont mis en place. Et comme vous pouvez le voir, la plupart du texte est noirci pour qu'on ne voit pas ce qui est écrit. Mais il y a aussi une partie qui n'est pas noircie, et ce qui est dit est assez étonnant. Par exemple, les techniques renforcées d'interrogatoire sont approuvées en vue de leur utilisation sur les détenus, comme la simulation de noyade, la technique numéro 11. Et ici, on a la description de ce que c'est. Il y a aussi l'utilisation de couches-culottes, les positions de stress. Et là, en voici d'autres. Le confinement qui génère des crampes. Le sujet est placé dans un espace confiné. Le plus souvent, une petite ou une grande boîte qui, normalement, est sombre. Il y a aussi les gifles et la technique du mur. Littéralement, on projette un individu contre un mur par la tête et les épaules. Tout ceci a été approuvé par les avocats du département de la justice, le ministre de la justice, la Maison-Blanche. Ce qui veut dire jusqu'au sommet du pouvoir. Guantanamo a son propre système judiciaire, des tribunaux appelés commissions militaires. Les audiences ont lieu dans ce bâtiment, mais nous ne pourrons filmer que ces 2 fenêtres. À la différence de la justice civile ou militaire, les juges examinent uniquement le cas de citoyens non américains. Les preuves dont ils tiennent compte font là encore l'objet de critiques. La preuve par ouï-dire peut être retenue. Si la rumeur n'est pas admise dans les autres cours américaines, ce n'est pas à cause de règles de procédure arbitraires, mais parce qu'on pense qu'il ne s'agit pas d'une bonne preuve. C'est difficile de déterminer si une preuve est exacte quand on n'a pas en face de soi la personne qui fait de telles affirmations. Spécialiste du terrorisme pour Human Rights Watch, Andrea Prasso a été l'une des premières avocates à Guantanamo. Pour l'instant, les commissions militaires n'ont jugé que 3 détenus. Elle représentait l'un d'entre eux. C'était le procès Hamdan. C'est la première salle d'audience du bâtiment des commissions militaires. On l'appelle la salle d'audience numéro 1. Ici, on peut voir le procès qui s'y déroule, et là, ce sont les jurés. Et dans les commissions militaires, on les appelle les membres. Là, le témoin dans son box est en train d'être entendu. Lui, c'est le juge, un capitaine de la Navy. Là, c'est l'un des avocats civils de M. Hamdan. Ici, c'est M. Hamdan. Et là, l'interprète de la défense. Et vous, vous êtes où ? Ah, je suis là, juste en dehors du cadre. On ne me voit pas sur ce dessin. Les commissions militaires ont fonctionné dès le départ sur des coups d'essai et la plupart du temps, on a abouti à des erreurs. Les juges ont rendu justice sans règles, ils ont créé leurs propres lois. Soit ils opèrent sans règles, soit ils ajournent l'audience dans l'attente de règles, ce qui entraîne des reports de plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire de plusieurs années désormais. On ne dispose pas encore d'un ensemble complet de règles. Une fois, un détenu qui n'avait pas d'avocat a voulu se représenter lui-même et il n'y avait pas de disposition dans ce cas, et ça a été un problème pour le juge qui ne savait pas comment faire. Je me souviens très bien de la réaction du juge à ce moment-là. Il a fait ça. Et ainsi, à chaque fois qu'on est confronté à une situation qui n'est prévue par aucune disposition, voici comment le juge réagit. C'est donc tout le problème de ce système, et c'est comme ça tout le temps.
Une seule fois, un ancien prisonnier de Guantanamo a été jugé lors d'un procès civil à New York. La norme, c'est bien la commission militaire. L'instance est jugée plus appropriée parce qu'elle tient compte des preuves collectées sur le champ de bataille et qu'elle permet de faire en sorte que les sources de renseignements restent secrètes. Mais de nombreux autres individus, toujours derrière les barreaux de la base cubaine, n'auront eux pas droit à un procès. Qu'est-ce que c'est ? Comme on a été confronté à des projections d'excréments de la part des détenus, on a mis en place cette trappe pour ne plus avoir à ouvrir la porte. Le prisonnier qui fait ça est placé dans une cellule équipée de l'une de ces trappes. C'est pour limiter le contact ? Oui, oui. Enfin non, pas nécessairement pour limiter le contact, mais on devait bien trouver quelque chose pour que nos gardes ne puissent pas être attaqués par ces types. Un jour, un officier qui avait un vaporisateur a essayé à travers la trappe de me vaporiser sur le corps et le visage pour me brûler. J'ai essayé de repousser sa main à l'extérieur. Un autre officier était à côté de lui. Moi, j'avançais ma main dans le trou et lui, il a refermé la trappe sur ma main. Et comme je ne hurlais pas, il poussait plus fort pour refermer la trappe. Comme je ne criais pas, il a poussé encore plus fort et il m'a cassé le doigt. Mon doigt a été écrasé par la trappe. Ce n'est qu'un exemple des nombreuses procédures mises en place à Guantanamo pour limiter le contact entre gardiens et détenus. Depuis l'ouverture de la base il y a 8 ans, les équipements évoluent. Le camp 6 est une installation moderne au niveau de sécurité moyen. Voici ce qui est fourni à un détenu du camp 6. Des vêtements blancs ou de couleur claire et un masque pour les yeux parce qu'ici on n'éteint jamais les lumières. Voici la cellule type du camp 6 qui nous est présentée, une sorte de reconstitution. D'autres secteurs de la base, comme le camp 7, resteront secrets. On ne nous dira pas où ils se trouvent. Les détenus les plus dangereux y sont enfermés. Ces individus ont été arrêtés sur le champ de bataille et on les garde ici pour éviter qu'ils n'attaquent de nouveau notre pays. Soit ils étaient des activistes, soit ils ont attaqué les forces américaines ou soutenu les gens du réseau d'Al-Qaïda. Alors c'est difficile de dire s'ils sont coupables ou innocents. Ce ne sont pas des termes qui peuvent s'appliquer à ces gens. Ils n'ont pas été présentés à un tribunal. Quand on recueille du renseignement, on ne s'occupe pas de déterminer la culpabilité ou l'innocence. On essaie de savoir quelle est leur intention et quelle est leur capacité à. On n'aboutit pas à un jugement en termes de culpabilité ou d'innocence. La grande majorité de ces individus qui ont été enfermés ici ne sont pas les personnes innocentes qui ont été fréquemment présentées dans la presse. Ils n'étaient pas dans la région de Tora Bora en Afghanistan à la fin de l'automne 2001 pour collecter des fonds dans un but caritatif. D'après la presse américaine, près de 50 prisonniers seraient trop dangereux pour être libérés. Malgré l'absence de charges, il semble que pour eux, il n'y ait qu'une seule issue, une détention infinie. Pourraient-ils être transférés dans une prison américaine ? Le Congrès a voté une loi qui empêche le rapatriement pour des raisons autres que des poursuites judiciaires. Or, il est impossible de juger ces individus, mais pourquoi ? C'est à cause des circonstances dans lesquelles ils ont été capturés, des informations que nous avons sur eux, qu'ils ne peuvent pas être poursuivis. Pourquoi ne peuvent-ils pas être poursuivis ? Nous avons des accords avec les services de sécurité de la plupart des pays dans le monde et ces accords sont secrets et sensibles. Ils peuvent évoquer des sources, des méthodes et des individus et comment nous obtenons des informations sûres. Certains de ces accords peuvent comporter des clauses qui nous interdisent de révéler devant un tribunal la manière dont nous avons obtenu une information sur un individu ou de l'évoquer avec des personnes qui ne font pas partie de la chaîne de commandement. Si la fermeture de Guantanamo oblige à transférer chaque détenu, beaucoup sont sans solution. À l'image de ceux considérés comme dangereux, de nombreux autres, même innocentés et en attente d'une libération, n'ont aucun pays pour les accueillir.
La moitié des prisonniers de Guantanamo, environ une centaine, vit paisiblement dans le camp 4. Ils sont considérés comme très dociles. Leur quotidien peut sembler normal. Ils peuvent prendre des cours de langue, une bibliothèque est à leur disposition. Le livre le plus demandé, la saga d'Harry Potter. Certaines pages sont noircies parce qu'elles peuvent être offensantes pour les détenus. On voyait une femme sur cette photo? Ça devait être une femme sur une moto. La base de Guantanamo compte 1100 gardiens. Leur moyenne d'âge est d'à peine 23 ans. En général, ils passent un an dans les camps et occupent leur poste par créneau de 12 heures. Et parfois, le temps passe lentement. On parle avec les détenus, on rigole même ensemble. Les blagues ne nous détournent pas de notre travail, mais c'est vrai qu'il y a des petites blagues stupides qui circulent. Comme quoi ? C'est un peu déplacé, mais bon. Un détenu m'a bien eu un jour quand il m'a demandé qu'est-ce qui est marron, qui a des yeux et qui est blanc à l'intérieur. Une patate, bien sûr. Vous savez, aussi, entre gardiens, on cherche à s'amuser et à trouver des choses à faire. Quand on est sur une île pour 12 mois, on en a vite fait le tour. Mais on passe du bon temps aussi. On fait des barbecues, on fait du bateau dans la marina. On va à la pêche, on plonge. On peut suivre des cours aussi. C'est l'une des ironies de Guantanamo. Il y a une école élémentaire, un groupe de filles scouts. J'y ai même vu un spectacle de danse avec des petites filles en tutu. Les gens vont faire de la plongée alors qu'un peu plus loin sur la route, on trouve ce terrible symbole de la torture et des traitements inhumains. Après avoir examiné la situation des détenus au cas par cas, une mission mise en place par le président américain a ordonné la libération de près de 100 d'entre eux. Mais la question reste la même, où les transférer ? Pas aux États-Unis, en raison de la loi votée par le Congrès américain. Alors Washington demande l'aide de l'Europe. Les pays européens pourraient accueillir des prisonniers que les Américains ne souhaitent plus prendre en charge. C'est tout le problème avec Guantanamo. On peut être innocent. Ils peuvent reconnaître votre innocence, vous dire en face, nous savons que vous n'avez rien fait. On peut être innocenté lors du procès qui a pu se tenir à Guantanamo, mais être gardé sur place, parce que parfois, il n'y a pas de lieu où nous envoyer. Il y a des gens innocents à Guantanamo, innocents selon les critères des autorités américaines. Ce ne sont pas mes critères. Mais malheureusement, le nombre de pays qui sont prêts à accueillir ces gens est très limité. J'ai pu voir mes clients sortir de l'avion en provenance de Guantanamo et embrasser leurs frères pour la première fois depuis des années. Donc je sais qu'une telle issue est possible, mais pour certains, ça sera compliqué, en particulier pour les réfugiés. Ceux qui sont originaires d'Algérie, de Libye, de Tunisie, il peut s'agir de personnes qui n'ont jamais eu de problème avec leur gouvernement, mais qui là, juste parce qu'elles ont été détenues à Guantanamo, vont être stigmatisées. Tout le monde sait ce qui a été dit sur ces individus. Et même si c'est faux, ces gouvernements les ont identifiés, et on sait qu'ils vont être torturés s'ils rentrent dans leur pays. Alors les détenus nous disent, bien sûr, Guantanamo est terrible, je veux quitter cet endroit, mais s'il vous plaît, faites que je puisse rester ici jusqu'à ce qu'on me trouve un endroit sûr où aller. Et s'il est bien difficile de trouver un pays européen disposé à accueillir ses réfugiés, la tâche est encore plus ardue pour la majorité de la population de la base, 80 yéménites. Après l'attentat manqué de Noël dernier, revendiqué par Al-Qaïda au Yémen, les Européens refusent de les prendre en charge. Et un retour dans leur pays semble trop risqué. Les journées s'écoulent lentement sur la base de Guantanamo, aussi bien pour les prisonniers en attente de connaître leur sort, que pour les gardiens américains. Le plus jeune de mes petits-fils a 14 mois. Je suis un homme âgé qui préférerait de loin se trouver avec ses petits-enfants. Est-ce que vous allez démissionner ? Non, je ne vais pas quitter cet emploi. Tant que ces détenus sont ici et que quelqu'un sera responsable de leur prise en charge et de leur détention, je serai là. Je ferai partie de ceux qui seront ici pour assurer cette mission.
Et en dépit du mépris du public international, ce qui ressort de tout ça, c'est que je crois vraiment que notre travail contribue à offrir un avenir plus sûr à mon petit-fils et à essayer de faire en sorte que ma petite-fille, qui est militaire, ne perde pas la vie au combat. Nous laissons Guantanamo derrière nous et une situation totalement bloquée pour les prisonniers comme pour ceux qui les surveillent. La promesse de l'administration Obama de fermer Guantanamo est elle aussi au point mort.